Nous sommes au cœur de l'été, sur le tarmac de l'aéroport de Cannes-la-Bocca, dans les Alpes-Maritimes. C'est le balai des avions privés et des hélicoptères du Gotha européen et des milliardaires de la jet set. Mais Cannes-la-Bocca, c'est aussi une des 20 bases héliportées de la sécurité civile. La météo n'est pas si pourrie que prévu. Pourquoi vous avez prévu le mauvais temps ce matin? Ouais. Sérieux? Ah oui, jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Il est 9h du matin. Aujourd'hui, Sandra et Denis sont de permanence. Ils assurent la sécurité des vacanciers et des habitants du département. Elle est médecin urgentiste, lui pilote d'hélicoptère. Coéquipiers depuis longtemps, ils sont également depuis 2 mois, mari et femme. Je vais chercher le caddie. Attends, j'ai la grosse caisse d'abord. J'ai vu. Allez, en avant. Dans le caddie de Sandra, plus de 50 kilos d'équipement. Tu m'étonnes qu'il pèse lourd l'hélico. Montagne, canyon, mer, ils interviennent dans n'importe quel milieu. Il a déjà sorti la machine, Hervé. La base de la sécurité civile est considérée comme une zone sensible et les entrées sont sous haute surveillance. Dragon 06, c'est le nom de code de l'hélicoptère de sauvetage du département. Une machine d'intervention rapide pouvant transporter jusqu'à 9 personnes prête à décoller 24 heures sur 24. Sandra et Denis ont appris à se connaître pendant les missions à bord du Dragon 06. On s'est rencontrés à la base, oui. Oui, oui. Denis est sur la base depuis 2005, moi depuis 2003. Et puis on a commencé à travailler tranquillement ensemble et puis voilà. À l'époque, les deux équipiers étaient en couple chacun de son côté. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, les jeunes mariés redécouvrent les joies de la vie à deux. Elle fuit la machine. Enfin oui, un peu, oui. C'est parce que ça a été mal positionné. Qui a mis le café dans le... C'est moi, hein. C'est toi. Il a une mauvaise foi. Masculine. Très masculine, effectivement. Mais on fait des concours de mauvaise foi. Ouais. Alors tiens, goûte-le, s'il est vraiment dégueulasse, j'en fais un autre. Secours montagne, port sec, médecin plus CRS, le pas du Mont Colon, plaie à la tête. Plaie à la tête. L'information n'est pas très précise, mais elle nécessite une intervention immédiate. Aux côtés du médecin, 2 CRS spécialisés dans le secours en montagne. On va être lourd, on va faire le camp de base très bas, je ne vais pas le faire au refuge de Nice. Il y a Fort-Vent du Nord. Fort-Vent du Nord, oui. Fort-Vent du Nord. C'est grand bon, mais Fort-Vent du Nord. Je suis pas mal, j'ai le Ken, l'Oxy, le machin. Non, je pense que j'ai rien. Ce genre de mission peut dégénérer à tout moment. Il faut prévoir, oui, parce qu'on est un peu loin quand même. Il faut toujours envisager la possibilité de rester coincé là-haut. Denis est aux commandes de l'hélico. Avec plus de 7000 heures de vol, c'est un pilote très expérimenté. Aujourd'hui, il est accompagné par Franck, un mécanicien treuilliste d'origine galloise. Bartops. Engagé sur Cata pour le décollage. Sur température. Pour moi, tout est bon. Tout le trafic de l'aéroport s'arrête. L'hélicoptère de secours est prioritaire. Bon pour toi? Ok, oui, PFD, toujours correct pour le décollage. Let's go. Et c'est parti, mon kiki. La mission du jour, sauver une randonneuse qui a fait une chute dans le massif du Mercantour, 80 km à vol d'oiseau. Un véhicule au sol mettrait plus de 2 heures. L'appareil doit atteindre l'objectif en une vingtaine de minutes. Apparemment, la météo, ça va être un vent thermique ou un vent d'altitude relativement fort. On pose, on fait le camp de base relativement bas et à partir de ce moment-là, on improvise. D'accord? Compris? Oui. À l'arrière de l'appareil, les secouristes attendent. C'est à Denis, le commandant de bord, de prendre pour l'instant toutes les décisions.
pilote dans la cabine. Bon, je le connais très bien, on se connaît bien, on n'a quasiment pas besoin de se parler, mais voilà, là, c'est pas le mari qui est aux commandes, c'est le pilote. Nous, derrière, on maîtrise absolument rien. L'important, c'est qu'on arrive en haut et qu'on soit pas stressé, quoi. L'équipe va établir un camp de base au pied du massif. On a un peu de vent arrière, là. Ouais. Allez, on va aller faire une approche. Oui. On dépasse les obstacles, là. Ok. On va avancer encore un tout petit peu. Ouais, c'est bon. Allez, débarquez. Okay. Il faut alléger l'appareil. La zone de l'accident est à plus de 2500 mètres d'altitude. L'hélico va avoir besoin de toute sa puissance pour voler à cette hauteur. Sandra et un des deux CRS restent donc à terre. C'est bon ? Derrière ? On y va ? Oui. On va voir ce qu'ils peuvent faire. Le but du jeu, c'est pas d'engager un maximum de personnel. Le but du jeu, c'est que tout le monde, voilà, de faire au mieux, donc on s'adapte. S'il a besoin de moi, il m'appellera. Le parc national du Mercantour. 600 km de sentier, le paradis pour les randonneurs. Il y a des framboises là-bas. Un endroit que Sandra connaît bien. Mon père était gardien du refuge de Nice. Et le pont avait été brûlé. Et en fait, ça, pendant des années, on a appris ça, le pont brûlé. On avait une vieille deux chevaux verte. Et on faisait les chargements avec la deux et on montait toute la bouffe pour le refuge pour gagner 3 km de portage. L'hélicoptère vole maintenant à plus de 2500 mètres. La végétation se raréfie. Cette altitude, c'est le domaine de Pierre Alain, un CRS originaire de Chamonix. Il est guide de haute montagne. À quelle altitude tu situes ça, grand ? 2004. Oui. Aux environs de 2004. Dans ce coin-là ? Voilà, à gauche, ouais. Tu vois. Tu vois la petite vallée qui part avec les névés, ça serait plutôt par là. Les névés, des langues de neige et de glace. Là, je vois des gens en bas, mais ils font pas signe. Ah, voilà, peut-être là où il y a le groupe. Ouais, regarde, il y a le groupe, à midi, dessous toi. Impossible pour l'hélico de se poser sur ce relief accidenté. Allez, on va descendre. On va tout troyer, on va ramener ça à la maison. D'accord ? Francky ? Oui. Franck, le mécano gallois, est à la manœuvre. Allez, tu peux ouvrir la porte ? Alors attends, j'ouvre la porte. La porte est ouverte, la tresse en place, porte verrouillée. Allez, vas-y, tu peux envoyer. Ok. Je le déborde. Ok, il est débordé, tout est bien en place, je le libère et je l'envoie. Parti. Il est en bonne position, secouriste en descente. Je peux même te laisser reculer un tout petit peu parce qu'on souffle un petit peu les gens. Ouais. Voilà, recule 2 mètres, 1 mètre, et tu peux stopper. Secouriste encore à 1 mètre du sol. Ok, il arrive au sol en train de se détacher. Le croc est libre, remonter. Tu peux dégager par la droite. Tu peux dégager par la droite. Je dégage par la droite. Pour ne pas exposer les randonneurs au souffle des pales de l'hélico, Pierre Alain est déposé à une vingtaine de mètres. Voilà maintenant 45 minutes que l'alerte a été donnée. Bonjour, ça va ? Les cervicales, ça serait bon ? Oui, c'est vrai. Ça n'a rien eu ? J'ai absolument pas de douleur aux cervicales. Un point positif, la victime est médecin. Elle a pu elle-même établir un premier bilan, confirmé par le sauveteur. Dragon 06 de Charlie Pierre-Alain, tu me reçois ? Le dragon t'écoute. Ouais, c'est pas trop grave. Le temps est de panser une plaie. Et si tu veux, on peut la récupérer. Ok. Le treuilleur descend. Poursuit dans l'axe 5, 4, 3, 2. Encore un mètre. Top, bonne position. Le courrier s'est attrapé, le croc, appuie à gauche un petit mètre. Voilà, stop.
Il est prêt. Ça déjauge, contrôle puissance. C'est bon. Ok, ça monte tranquillement. Tu te dis quand je peux dégager. Partir dès que tu veux maintenant. Ils sont 2 mètres sous le patin. Ok, on passe le patin. On va les rentrer tranquillement. Ok. La randonneuse était venue de Besançon passer quelques jours dans le Mercantour avec des amis. Elle a fait une chute, mais heureusement pour elle, elle a réussi à s'arrêter sans dévaler la pente. Sa jambe et son crâne ont tout de même heurté un rocher. On va encore le nettoyage effectué. Merci. On pourra faire. Et on sera prêt pour le poser également. Sandra examine la victime. Elle a des plaies un peu partout, mais le plus préoccupant, c'est sa blessure à la tête. Cette plaie du cuir chevelu, là, qu'elles ont... Donc ça, c'est eux qui vous ont mis ça ? Ils m'ont mis, voilà. Je vais regarder un peu. S'il faut suturer, on va regarder ça. Je pense qu'il y a juste des points de suture. Et... Vous avez beaucoup saigné ou pas ? Apparemment, oui, je sais pas. Mais comme ils n'ont pas l'habitude, je sais pas si c'est important ou pas. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien fait d'ouvrir. Ouais, ouais, vous êtes bien arrangé quand même. Elle a un joli scalp, oui. Oui, elle a une belle plaie au cuir chevelu. Il faut qu'elle soit recousue dans un lieu stérile à l'hôpital, ce sera l'idéal. Attention Sandra. Faites attention à la porte, s'il vous plaît. Hein. Pas communiquer, ça fait beaucoup de bruit. Ça tremble un petit peu comme ça, vous vous inquiétez pas. Ça tourne pas trop parce que j'ai le mal. Non, ça tourne pas trop. Si vous êtes pas bien, vous me dites, on vous assoit. Ok, varenne éteint, les tours installés. Un rock ? Elle va faire un rock, ouais. Ce sera plus pratique pour elle. Non, c'est... Elle a eu du cul, hein. Elle s'est pas fait trop mal, hein. La mission s'est bien passée. Mais parfois, lors de la descente du secouriste, le crochet du treuil peut se coincer entre des arbres ou des rochers et déséquilibrer l'hélicoptère. Dans ce cas, pour sauver l'appareil et son équipage, le pilote n'a qu'une solution, radicale, couper le câble, au risque de perdre une vie. Comme avec tous les autres personnels, il y a l'intégrité de la machine, l'intégrité de l'équipage. Il n'y a pas de procédure de secours spécifique à Sandra, il y a des procédures de secours spécifiques à l'hélicoptère, spécifiques au métier qu'on effectue. Voilà, c'est tout. On en a débattu et pour nous, l'affaire de ce côté-là, l'affaire est close. Et Sandra, vous avez discuté de ça Oui, oui, non, non. C'était la condition sine qua non avant de pouvoir travailler ensemble. Puis c'est bien, c'est pas que pour nous deux, c'est pour les mécanos, pour l'équipage, c'est extrêmement important. Arrivée à Nice. La victime est transférée aux urgences pour quelques points de suture. Dans quelques heures, elle pourra rentrer chez elle. Bon, je veux. Écoutez, je pense pas qu'ils vont vous garder. On va voir un peu comment vous êtes. Allez, une prochaine fois, je dis toujours à bientôt à mes patients, c'est complètement idiot, mais bon. Allez, bonne journée. Bonne journée. Ouais. À bientôt, bon retour. Bisous, à bientôt. À 45 minutes de la base de Cannes-la-Bocca, le lac de Saint-Cassien, en face du massif de l'Estérel. Un lac artificiel de 420 hectares, un espace de loisirs nautiques. Je vais me casser la tête. Aucune galanterie. C'est la fin de la journée pour Sandra et Denis. Ma, che cosa dice. Une balade en canoë dans un paysage bucolique, rien de tel pour évacuer le stress des interventions. Je suis gavé d'eau, moi. C'est normal ? Pourquoi il prend l'eau ? Parce que t'es trop lourd. On rentre à la maison, on se change, on est à 2 minutes. Et une petite heure de kayak, ça vide la tête, ça vide l'esprit. C'est vert, c'est beau. Non, non, c'est génial. C'est très, très, très agréable. Ça détend bien. Sandra et Denis ont toujours adoré le sport.
Sandra est née à Saint-Martin-Vésubie, un petit village du Mercantour. Skieuse de compétition, à 22 ans, Sandra reprend ses études de médecine pour devenir urgentiste et travailler dans ces montagnes. Denis, lui, a grandi à Dieppe, en Normandie. Comme beaucoup de jeunes garçons, son rêve, c'était de piloter un hélicoptère. J'étais sur hélicoptère de combat. J'ai fait instructeur, pas mal de petites choses, des campagnes extérieures. On a fait de l'Afrique, on a fait de l'Europe, on a fait du Moyen-Orient. Je pense que ce sont les meilleurs moments de ma vie à cette période-là. J'ai beaucoup appris et puis j'en ai tiré des amitiés, beaucoup de choses qui me sont utiles maintenant dans mon métier sécurité civile. Ce qui a réuni l'ancienne championne et le baroudeur, c'est ce même goût de l'aventure, l'envie de se surpasser. Saint-Auban, à 60 km de Cannes. Un petit village au pied de l'immense rocher de Tragastel. Ah, là, la première va s'imposer. François Cholet vit ici depuis l'âge de 11 ans. Les habitants lui ont donné le surnom de Wawa. Il est pompier volontaire et fait partie de l'équipage de Dragon 06. En secourir des gens, c'est quelque chose de très gratifiant, très enrichissant. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, porter secours, aider quelqu'un. Je vois pas ça comme un sacrifice. Du tout, ça me semblerait pas normal de ne pas le faire en fait, surtout. Wawa tient un gîte où il propose de nombreuses activités. VTT, accrobranche, escalade, pêche à la ligne, équitation. Ça va les enfants ? Bien dormi, tout nickel. On va donner direct à manger aux chevaux. Ces deux enfants, Louise et Nathan, passent les vacances d'été au gîte avec leurs cousins. Le premier rituel du matin, c'est le petit déjeuner des chevaux. Fais attention quand ils se retournent. Polka, dégage. Celui-ci, t'en mets aussi, Loulou, là ? Ouais, donne ça. Moi, je suis plutôt là pour porter les bottes de foin qui sont lourdes. Le domaine de Wawa, ce sont 40 hectares de forêts, de lacs et de rivières. L'autre quotidien du pompier, c'est l'encadrement dans le fameux canyon de Saint-Auban. La rivière y a sculpté des kilomètres de galeries durant des millions d'années. Aujourd'hui, une famille de Parisiens découvre ce sport. Les toboggans. Là, vous voyez le petit remous qu'il y a. Si vous avez un doute, vous faites quoi ? On fait quoi ? Pour avancer, on s'assoit et on descend doucement. On est en vacances au bord de la mer et puis on voulait prendre un peu l'air, un peu aller à la campagne au froid. Puis on avait envie d'essayer ça en famille. Olivier, c'est parti, tout le monde dans l'eau. Vous verrez, les combinaisons ne sont pas étanches, on se retient, on fait pas pipi dedans. Première découverte, l'eau est à 14 degrés. Allez, mets-toi dans l'eau. C'est parti. Alors, elle avait pas bien croisé ses jambes. Et c'est par là-bas que ça sort. Mais les pays au canyon, c'est d'être dans un endroit super sauvage. Voilà, avec une eau super claire, bon, certes un peu fraîche. Mais voilà, le côté sauvage, la nature, on est vraiment dans les entrailles de la terre. Tu te laisses tomber à plat ventre. Parfait. Un petit peu d'appréhension, surtout quand tu te retrouves sous l'eau par moment. Je sais pas si tu vas ressortir. Enlève les mains. Voilà, et là la vie avance, avance. C'est parti. C'est parti. Voilà.
Là, on est en train de s'amuser, c'est un milieu naturel qui est super, on s'amuse beaucoup. Mais quand on se blesse, on se dit qu'on est finalement dans un milieu hostile. Là, on est dans de l'eau. Si on se fait la moindre petite entorse, on va rester en fait immobile. Et ce qui va se passer, bah, tout de suite, on va avoir froid. C'est pour ça qu'il faut rapidement extraire quelqu'un d'un canyon. Ces paysages magnifiques peuvent très vite se transformer en pièges redoutables. Nous sommes le 15 août. Dragon 06 est déjà intervenu 3 fois depuis le matin. Wawa est de permanence. Tu vas chercher rive droite en montant un petit peu à l'escalade. Un saut effectivement qui fait 8 mètres un peu précis. Ouais. Tu vois ce truc? Ça peut être là. Et là c'est encaissé par contre. Là c'est pas mal encaissé. Il fait équipe avec David, pompier professionnel depuis 20 ans. Wawa emporte des combinaisons étanches pour affronter l'eau et le froid, des cordes et des harnais pour l'escalade. Marc est aux commandes. Le Riolan, hein. C'est bien ça. Hein. Le Riolan, oui. Avec Christian comme médecin urgentiste. Je vais avoir un malade qui nous attend depuis un petit moment dans une ambiance très froide. Donc ce patient, en plus de sa blessure, il va probablement être hypotherme, avec tout ce que ça implique comme difficulté pour lui trouver une voie veineuse sur des veines qui sont un peu collabées par le froid, et sur un patient qui moralement est un peu entamé par ce froid et cette attente. Dragon 06 vole vers le canyon du Riolan, à 80 km de la base. À plus de 220 km/h, l'hélico y sera en 20 minutes. Là aussi, c'est le moyen le plus rapide d'atteindre cette zone accidentée. Saint-Auban est le rocher de Tragastel. C'est le territoire de Wawa. Il connaît tous les canyons de la région par cœur. Ce qui est bien, surtout quand c'est dans un canyon dans lequel on travaille très régulièrement, c'est qu'effectivement on connaît bien la zone. Donc ça peut faciliter le guidage pour essayer de trouver les personnes. Quand on connaît bien le canyon, on sait qu'il y a un saut à tel endroit, ou alors un saut justement qu'il ne faut surtout pas faire à tel endroit. Le canyon du Riolan fait 4 km. Un parcours semé de pièges et de zones dangereuses. L'un de ces obstacles est même surnommé le toboggan de la mort. Tous les secouristes, tous les docteurs, tous les équipages sont régulièrement entraînés. On a tous en général des sports de fond. Tout le monde est bien préparé pour encaisser une mission comme celle qu'on va essayer de faire maintenant. Première difficulté, repérer la victime depuis le ciel à plus de 100 mètres d'altitude. La végétation est dense et il y a beaucoup de monde. Donc, il y a du monde top vertical. Non, en bas, non, en bas, tout en bas. Ouais, mais là, les mecs, ils ne font pas de signe. Hein. C'est le départ de la main courante, là, ici. Ouais. Tu vois, non, il n'y a pas de signe. Là. C'est pas eux, légèrement derrière nous. Donc, c'est ce que je pense, c'est dans les toitures, donc ouais. On ne doit pas forcément les voir. Le pilote a les yeux fixés sur la paroi. C'est Wawa qui le guide. Ah, je vois des gens sous un surplomb, là, en fait. Tu vois, juste avant le premier toboggan de la mort. Alors là, par contre, il y a le groupe... Ah, là, voilà, là, il y a quelqu'un. Ils sont là. Okay. Ok, ils sont là, donc c'est... Ok, c'est juste avant... Juste en dessous, Marc. Il faut que tu en avances un tout petit peu. Ils sont là. Impossible pour l'hélico de treuiller dans un endroit aussi escarpé. Wawa devra être déposé beaucoup plus loin et faire le reste à pied. On est à 150 pieds, hauteur de treuillage. Ok, reçu. Je déborde François. Tout est correct, je le libère. Ok. On est à 94% de... Ok, reçu. Je sens la potence. Allez.
Dragon doit voler haut. La faille est particulièrement étroite. Tu peux avancer pour une dizaine de mètres. J'avance. Le câble mesure 100 mètres. Ok, voilà. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Top. Ok, ce couvre est posé en train de se détacher. Ok. J'ai 70 mètres à la poignée. Oui. C'est maintenant à Wawa de jouer. La victime est dans un état grave et l'eau glaciale du canyon lui fait risquer l'hypothermie. Encore 100 mètres. Bonjour. Vous êtes avec un guide ? Oui, il est en bas. Bonjour. La victime s'appelle Flavie. Bonjour, alors dites-moi un peu du coup ce qui se passe. En attendant les secours, ses accompagnateurs l'ont mise au sec avec juste une bougie pour maintenir la chaleur sous la couverture de survie. Vous êtes allé chercher le saut rive droite ? Ok. Je suis tombé dans l'eau, mais j'ai plié les jambes et j'ai le dos qui a claqué. En fait. Qui a fait un crack au niveau des lombaires. Le médecin rejoint Wawa. Premier bilan. Bonjour. Salut. Ben, on est impeccable là. Quand je suis immobile, ça va, mais dès que je dis. D'accord, c'est là, hein, ce niveau. Ça irradie sur les côtés ? Hein ? Ben, en plus, c'est un peu en viande, pas. D'accord. La moelle épinière n'est pas touchée, mais la blessure est sérieuse. Au minimum, vous êtes coincé un disque, ça fait comme un gros lumbago. Au pire, un petit tassement de vertèbre. On va commencer à dire que c'est un disque, hein. On va être optimiste. D'accord ? Et vraiment, pour la douleur, vous ne gênez pas ? Hein, ça va pas, vous dites. Respire, voilà. Allez, c'est parfait. Allez, on l'accompagne, nous. Wawa et David installent Flavie dans une coque pour immobiliser son dos. On tire vers toi, Christian. Donc, ça passe. Le plus dur reste à faire. Vous la gardez sur vous, les gars. Wawa est premier de cordée. Pas le corps, ça va venir. Okay, moi, je vais au bout. Hein. Il faut impérativement maintenir l'équilibre du brancard. Ça va ? Ouais, vas-y, libère. David est derrière. Il assure la descente avec la corde de rappel. Allez, on pose, on pose. Posez. Tous les sportifs se portent volontaires. Alors là, tu la prends sur ton genou ? J'ai. Il n'y a pas de pied, toi. Il n'y a pas tes jambes. Laisse-moi tes jambes dessous. Tu peux te présenter pour le treuillage secouriste et civière avec système anti-rotation. Ok, je sors la potence et le crew est en descente. Allez, tu poursuis dans l'axe. Ok, c'est sorti, ça monte tranquillement, ça ne tombe pas pour l'instant. On a 60 mètres à la poignée. Allez, vertical, on monte. On montait 40 mètres. Donc tu me laisseras les poser, tu règles bien ta hauteur, tu descends pas et c'est moi qui la déposerai, d'accord ? Ok. Alors on va essayer de poser en douceur comme c'est un trauma dorsal quand même. Hein. Je débute la descente. L'état de Flavie est stable. Dragon 06 peut donc se permettre une halte dans un champ voisin. La victime sera ainsi mieux installée. Ok, j'arrive au sol. David a accompagné Flavie dans les airs. Il sait qu'elle a peur. Donc là, on est sur le plancher des vaches. Ça te gêne le soleil, là, un peu ? Ouais, c'est vrai, chaud, c'est pas grave. Ouais. Je préfère avoir chaud. Restez positif. C'est essentiel pour la victime comme pour le sauveteur. David résume cette philosophie en un mot. Il faut avoir le mojo.
Le mot duo, c'est être cool et décontracté. Et voilà, et prendre la vie comme elle vient et profiter. Flavie est évacuée vers l'hôpital de Nice. Fracture d'une vertèbre. La jeune femme sera immobilisée plusieurs semaines avant d'entamer une rééducation. Le village de Val-de-Roure, 8h du matin. David, le sauveteur du ciel, retrouve des préoccupations plus terre-à-terre. Il vient surveiller les habitants de son poulailler. Allez, filles. Et comme tous les matins, il affronte le roi de la basse-cour. Il n'est pas commode, il faut lui faire face parce que... Il a mauvais caractère. Alors là, on va nourrir les lapins et leur donner à boire. C'est les derniers nés. Hop, là, j'ai un beau bureau. S'occuper un peu des animaux, les poules pour les œufs et puis les lapins pour les manger. Cette vie de fermier, c'est la clé de l'équilibre de David. Il y a 2 ans, David a rencontré une jeune fermière. Aujourd'hui, c'est devenu un papa poule. David a déjà 2 garçons, Antonin et son 3e. Hop là! Et bien alors? C'est cool là, hein? Ouais! Ma compagne, elle est agricultrice. C'est un travail sur toute l'année, avec une période plus difficile l'été, puisque c'est la période de la récolte. Et là, du coup, ben, elle a moins de temps. Donc ben, c'est moi qui m'occupe d'Antonin quand je suis pas de garde. Hop là. C'est la pleine période des foins. David vient donc très souvent donner un coup de main à Sandrine. En fait, elle reprend l'exploitation de son père, donc c'est vraiment le truc familial. Elle a mettait un point d'honneur à pouvoir reprendre l'exploitation. Donc du coup, c'est du boulot, et elle s'y emploie, et elle fait tout ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Elle est courageuse, elle est très courageuse. Heureusement qu'il est là, parce qu'il y a beaucoup de boulot concentré sur une période assez courte, juillet, août, et que seul, c'est dur. Enfin, j'ai les employés, mais... Ça fait une bonne aide supplémentaire. Puis c'est aussi sympa de partager ça avec son compagnon, quoi. Ça fait un exutoire par rapport à tout ce qu'on peut vivre en bas. Donc du coup, ça permet de libérer la soupape et on pense à autre chose, on voit d'autres choses. Donc du coup, ça fait du bien et ça permet de repartir après les jours de garde plus sereinement et puis décontracte. Dragon 06 est de nouveau en opération. David vient de prendre sa garde. Denis est aux commandes. Leur mission, sauver un homme de 92 ans qui se serait blessé dans l'arrière-pays varois, la région où David cultive ses champs. Le pilote étudie le trajet avec lui. Tu vois le sommet du Lachance ? Ouais. Il y a un chemin qui descend au nord, d'accord. Avec une piste qui redescend vers la roque Esclapon. Ouais, il y a une piste qui barre en travers la montagne. Voilà, en travers de la montagne. J'ai rejeté un œil sur la carte quand même, avant d'arriver. Essaye de trouver le point côté 1309 et on est dans cette zone-là. Ça marche. T'as la carte, Jérôme ? Paradoxalement, à l'heure du GPS, dans cet appareil bourré de technologies, rien ne remplace les cartes papier de l'IGN. La végétation est dense, les sentiers invisibles, et même David pourrait s'y perdre. J'habite la commune à côté, mais par précaution, je préfère quand même rejeter un œil sur la carte.
David réoriente le pilote vers le mont La Chance, qui culmine à 1700 mètres. Il est un peu inconscient ce monsieur quand même, hein. Il devient dans un endroit pareil à 92 ans tout seul. Ah, alors il y a quelqu'un en bas sur la crête là, ouais. 4x4 avec un... Ouais, visuel. Ce 4x4 rouge est celui des pompiers. Ce sont eux qui ont demandé l'aide de Dragon 06. Tu fais juste à la verticale, tu peux y aller. La porte ouverte est verrouillée. David est tout désigné pour aller chercher la victime. Sa gentillesse naturelle et son calme devraient rassurer le vieil homme. Tu pourras avancer pour 2 mètres et appuyer légèrement à droite. À droite, stop. Et 2 mètres. Ouais, voilà, c'est bon. Elle revient encore un tout petit peu à droite. Voilà, stop. Ok. Au sol, en train de se détacher. Le médecin des pompiers est sur place avec une petite surprise. Le vieil homme est en fait une charmante vieille dame. Et André est encore toute penaude de sa mésaventure. On était en train de pique-niquer. J'ai voulu servir un petit verre de vin à mes copines. Et ben je suis tombée. Et puis comme c'est dans la pente, ben je suis tombée sur le côté et sur mon bras. Ça vous fait mal ? Ben oui. Diagnostic, fracture de l'humérus. Tout ça pour faire plaisir à ses copines. C'était la doyenne, 92 ans. 92 ans. 92 ans, ouais. Oui, tout à fait. Je peux vous dire que c'est elle qui menait la balade et qu'elle menait grand train. Elle marche d'un bon pas. On a du mal à la suivre. C'est un simple accident, ça. C'est pas son âge qui le lui a provoqué. Non, non, c'est un faux pas. C'est un faux pas sur l'herbe, c'est tout. Voilà. C'est pas de chance, quoi, c'est tout. David prépare le treuillage. Vous allez venir avec moi, madame ? Ben oui, si vous voulez, tiens. Ça vous dit ou pas ? Il y a longtemps que je ne me suis pas trouvée avec un jeune homme. Hein. Oh. Voilà, en plus, hein, je ne vous dis pas. Hein. C'est gentil. Tout va très bien se passer. Oh, j'ai pas peur. J'ai des jauges. J'ai des jauges. Contrôle c'est... puissance. C'est bon pour moi. Ok, ça monte tranquillement. Ça ne tombe pas. Ok. Je vais prendre de la vitesse dans l'axe libre. C'est parti. Ok, j'arrive bientôt au niveau du patin. Le secouriste va stabiliser. Voilà, c'est stabilisé. On passe le patin. Je vais sécuriser. André n'avait jamais pris l'hélico, ni même l'avion. À 92 ans, il n'est pas trop tard pour faire son baptême de l'air. Ça va ? Elle a le sourire en tout cas, elle a plus mal, c'est déjà ça. Elle a un vécu, elle a l'air en pleine forme, elle a l'air d'avoir un caractère adapté à sa forme. Donc voilà, une personne active avec beaucoup d'énergie. Séduit par la vitalité de sa passagère, Denis, en parfait gentleman, la ramène à deux pas de chez elle, à l'hôpital de Draguignan. On va voir si je peux faire accélérer un peu la manœuvre, bougez pas. André ne semble pas traumatisé par sa promenade dans les airs. C'est surtout les manipulations qui font mal quand on est blessé. Bien que je n'incrimine pas du tout les personnes qui se sont occupées de moi. Elles sont très compétentes. C'est bien de leur part de sacrifier leur dimanche pour sauver des gens qui se promènent. Merci. Après 2 mois de plâtre, André pourra reprendre ses promenades avec ses copines. Ce matin, le ciel est en colère. Les cimes du parc du Mercantour concentrent des nuages noirs.
Malgré l'orage et le tonnerre, Dragon 06 est de sortie. Denis est aux commandes, sa femme médecin est à l'arrière. Elle n'emmène pas large. Face au lourd cumulonimbus, Denis tente de détendre l'atmosphère. Ouh, qu'il est gros, qu'il est bon. Ouh, qu'il est gros. Mon Dieu, qu'il est gros. Celui-là, il est très, très, très balèze. Leur mission du jour, sauver deux enfants isolés par la montée des eaux de cette rivière. Là, l'orage que nous avons subi sur Nice et sa région était d'amplitude assez exceptionnelle. Dans la mesure où on vient d'avoir l'information, ils ont fermé l'aéroport pendant 45 minutes, ce qui est assez rare malgré tout dans la région. Donc là, on est dans un resserrement de vallée. Donc effectivement, les eaux descendent et là, le lit grossissant, eh bien, les gens se retrouvent coincés d'un côté ou de l'autre. On passe dans la phase de nettoyage et préparation mission. La vallée est escarpée, les courants d'air sont irréguliers. Les gamins, ils sont juste en face. Ils sont juste en dessous de nous, là, Denis, toi. Où ça? Dans ce coin-là. Comme derrière les arbres. Où ça? 11h. Oh là là, tu les vois, là. On va pas les trier, hein. Mais là, on pose... Ils embarquent comme ça. On va aller les chercher. On pose là sur le... Denis décide alors de récupérer les enfants directement sur cette langue de galets très instable. C'est bon comme ça, tu peux continuer, allez, 5 mètres si tu veux, sinon tu bouges pas. Là, je suis bien là. Ouais, allez, va, reste là. Voilà, ça va toucher derrière, tout doux. Voilà, impeccable. Tu restes là. Ils peuvent venir. On appelle cette manœuvre un appui patin. L'appareil reste en suspension au-dessus du sol, un exercice qui demande beaucoup d'expérience. Ah ouais, c'est des jeux de gamins, hein. Qu'est-ce qu'ils ont été faire là-bas quand ils ont traversé la... Voilà, deux... Les deux aventuriers en herbe sont accompagnés d'un homme du peloton de gendarmerie de haute montagne. Porte fermée. Il est descendu en rappel pour les rejoindre. Et merci à vous. Et de rien. Ouais, parce que moi, sur la descente, c'était un peu galère. Les jeunes rescapés sont frigorifiés. Quel âge vous avez? 12. Vous avez eu peur? 3, quoi, hein? En bonne mère de famille, Sandra s'est trouvé les mots qui rassurent. Ça fait combien de temps que vous êtes là? On est arrivé. Mais toi, t'es bien violé, toi. Direction un parking sur l'autre rive de ce qui était, il y a une demi-heure seulement, un paisible ruisseau. Voilà, là, on est bien. On pose en coupe. Et toi, t'es gelé, toi. Le papa, il est où? Alerté par les gendarmes, le premier papa est un peu choqué. C'est un papa? Ça va, ils ont froid, mais ça va. Vite les monter à la maison. Allez, vas-y. Ici, les enfants ont l'habitude de se promener seuls dans la nature. Vous avez des chaussettes? Hein? Voilà. Il y a les chaussettes aussi. Bah, mets une paire de chaussettes. Le deuxième papa arrive à son tour. Et tu gardes la couverture de survie. Tu es toujours en train de peser alors? Ils ont été faire le pique-nique, mais ils ont eu la mauvaise idée de traverser, quoi. C'est mieux d'aller faire le pique-nique dans les cailloux au lieu du sable. Tu voulais consommer tout. De ce côté-là, c'est du sable, Manu. C'est ça. Ah, on a tous fait. C'est sec, ça? Oui. C'est un peu en fourrure. Ben quand même. C'est ça que toi là, un médecin. Beaucoup de travail pour. Vous lui tenez la couverture. Pour une bêtise. Donc ils n'ont aucune blessure, aucune. Ils ne se sont pas fait mal, ils sont restés tranquilles. Déjà, ils n'ont pas essayé de retraverser. Ce qui quand même est pas mal. Mais ils ont eu froid, quoi. Ils ont eu froid. Mais, ils sont costauds. C'est des gars d'ici. Ils sont costauds. Bon retour à la Casbah. Hein? Allez, une bonne douche, on en parle plus. On fait un tour d'hélico, hein. Ciao. Du coup, il faut la bise à tout le monde. Ciao, papa. Moi, j'en veux une, hein, aussi, hein. Bon, merci pour... Et bon courage, les gars, pour le tour à la maison.
Voilà, voilà. Le ciel s'assombrit de nouveau. Alors, on est à Clans, il est 17h30. Non, 18h déjà. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas tarder, on a la deuxième ligne de 20 qui arrive. 18h38. Comme tous les équipages de la sécurité civile, Sandra affronte régulièrement ce genre de situation périlleuse. Je me souviens d'un treuillage un jour sous l'orage où il y avait des éclairs partout. Voilà. Je ne dis pas que j'ai jamais eu peur, mais bon, j'ai confiance. Et voilà. Après, je dirais que le métier que je fais, je suis aussi non pas fataliste, mais bon, voilà, on prend des risques, on sait qu'on les prend, on essaye de les minimiser au maximum et d'être le plus en sécurité possible. Mais après, voilà. Cette amoureuse de la vie et de ses montagnes vient de se découvrir une nouvelle passion. Après avoir parcouru sa montagne à ski, à pied, en deux chevaux et en hélico, Sandra s'essaie maintenant à la moto. Denis, motard depuis des années, a convaincu sa femme de passer son permis et le jeune couple sillonne désormais les routes escarpées du Mercantour. La moto, quand on roule vite, c'est un caractère tendu. Et c'est pas ce qu'on recherche. On prend déjà suffisamment de risques comme ça dans la vie de tous les jours, professionnellement parlant, pour pas en rajouter sur la route. Donc ce risque-là, il sert à rien. Donc on est très bien à rouler calmement et à découvrir cette belle région. Nous sommes à la Madone de Fenestre, un sanctuaire perché à 1900 mètres d'altitude. Ce hameau est le point de départ des randonnées du parc. Sandra est née dans un village quelques kilomètres plus bas. Ici, c'est la terre de son enfance. Je suis chez moi, là. Il n'y a pas de doute. Tu es encore en train de travailler ? Ouais. Sandra connaît tout le monde ici et tout le monde la connaît. Comme Louis-Paul, un maçon reconverti à la sculpture. Il m'a connue toute petite et voilà. À la Madone de Fenestre, tout est dédié à l'alpinisme. Les granges sont devenues des refuges. La petite église est recouverte d'ex-voto en remerciement des secours. Ah ben moi, quand j'arrive ici, je suis de manière instantanée dans mon élément et tranquille. C'est bien, j'ai un pilier, je sais que ça c'est quelque chose de sûr sur lequel je peux m'appuyer. Malgré sa beauté, la montagne peut aussi se révéler meurtrière pour ceux qui l'approchent de trop près. À quelques kilomètres de la Madone de Fenestre, un éboulement vient d'avoir lieu dans un petit tunnel à flanc de montagne. 5 ouvriers sont ensevelis. L'un d'entre eux est dans une situation critique. Dragon 06 est de nouveau en mission et c'est Denis qui pilote. En fonction de la situation qu'on va rencontrer sur le terrain, on fait un point téléphonique quand on est sur zone. Ce sentier qui serpente à plus de 2000 mètres a été réalisé au 19e siècle. Il doit être entretenu tous les étés pour les randonneurs. Ici, la roche est très instable. La roche est pourrie, hein, fais gaffe. Hein. Ouais. L'équipe est composée de Philippe, un pompier alpiniste chevronné, et Christian, médecin sauveteur. Les victimes, cette fois, sont rapidement localisées. Oh, regarde, à ta droite. Ouais, enfin, dans le tunnel de droite. Pente, regarde, le tunnel de droite. Ah, où ça? Droite, on voit la grue, là. Enfin, le... D'accord, ok. Le tractopelle. Ok, on vous dépose en appui patin, les gars. Ok. Denis s'apprête à faire son appui patin au milieu d'une rocaille très instable.
mais deux personnes accourent vers eux. Allez, tu fais attention, il y a un gars. Ouais. Ok, c'est correct dedans. Non, non, dégagez. Ok, avance-toi encore un tout petit peu, si tu peux te mettre un tout petit peu en travers, c'est bon pour le poser. Denis joue au funambule avec sa machine de plus de 3 tonnes. C'est bon. C'est bon pour la porte, Denis ? Oui, c'est bon. Ok, Philippe en train de débarquer, c'est bon pour le rotor. Le matériel descend. Le médecin. Ok, la porte se ferme. Porte fermée, tu peux décoller, Denis. Philippe le sauveteur et Christian le médecin débarquent les premiers. Bonjour, les pompiers. Bonjour. C'est où, ça vous, vos gars? Le médecin. Ils sont sortis ou ils sont encore dessous? J'ai pas compris. Il y a un décédé depuis peu. Il est le décédé, il est dessous. Il est encore dessous. On va dégager. Et vous êtes sûr qu'il est mort? Ouais, il est bleu, violet. Un peu plus loin, deux autres ouvriers, en état de choc. Les pompiers du secours en montagne, on va s'occuper de vous, hein, bougez pas. Il reste un homme sous les décombres. Tu vois? Ça serait bien de le dégager un peu quand même. Une raideur. Bon, à la vie, oui. Hein, mais... Un pan de montagne s'est décroché. Plusieurs tonnes de pierres ont enseveli d'un seul coup les 5 ouvriers. Les deux collègues bloqués là, ouais. C'est qu'il y a les jambes, là, et l'autre qui était dessous complètement. Et lui, était juste là. Lui était juste et là. Et lui, ben, quand ça a décroché, il n'y a pas eu le temps de. Ah. Si tu veux, là, c'est bon. Il est décédé ? Oui. Ok. L'homme qui est mort était le patron de l'équipe. Ben, on était en train de déblayer le tunnel. Il s'est passé un boom, le temps de lever la tête, déjà tous en nos jambes. On a entendu crier le patron. Moi et mon collègue, on était tous les deux à côté, on était coincés contre la roche, les pierres jusqu'à là, donc on a pu se sortir tant bien que mal. L'autre collègue, il était dessous, il n'y avait que le bras qui sortait. Il a réussi à nous parler, donc c'est bon. On s'est dit, avec le collègue, on a mis une demi-heure à la sortie. Et après, le patron, on est venu, on a essayé de sortir pour le voir au moins un petit peu. Et on a vu son visage et on s'est dit, bon, ben, c'est sûr qu'autant... Faible pouls, quoi. Tu le sens pas plus que ça, autant, mais il y a un espoir, quoi. Et on y croit jusqu'au bout, hein, de toute manière, à cet espoir, quoi. Tu te dis, allez, c'est... La chance, j'ai rien, j'ai que des égratignures, quoi. J'ai une chance phénoménale, quoi. Le médecin s'occupe des deux hommes qui ont été extraits de l'amas de roche. Dites-moi tout, où vous avez mal, vous? Là. Malin. C'est une plaie? Bah, c'est ouvert, on voit le muscle tout. Quand tu respires à fond, t'as mal? Non, c'est pas mal. Non, les côtes. Ah non, j'ai rien. Pas mal. Voilà. Vite, tranquillement. Voilà. Là. Prends le dessin. T'as fait un chit. Allez, bien. Allez, c'est parti. C'est bon, les gars, pour vous? L'évacuation du blessé est périlleuse. Donc, j'ai une victime qui est conditionnée, que je dépose à la zone d'emploi. Ok, bien pris. Donc, je te propose de la descendre avec un secouriste à bord. Tu chauffes par la gauche? Oui, c'est bon, à gauche, c'est bon, tu peux poursuivre comme ça. Elle avance encore un tout petit peu, c'est bon pour le rotor. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. On va poser les pieds. Hop, on embarque un secouriste. Ok, tu peux décoller. Tu as fermé la porte? Oui, c'est bon, on peut y aller. L'homme est emmené plus bas dans la vallée, dans un camp de base de fortune. Son pronostic vital n'est pas engagé. Si, je vais pas faire encore, non, rien. Non, non, on va rester comme ça. Resté près du chantier, l'autre ouvrier blessé est bouleversé. Allez, ça va aller là. Oh, ça va, ah. ça va. On va les faire parler tranquillement. Et éventuellement, après, ils auront accès à des psychologues, mais ça ne se fait pas dans l'instant. Là, l'important, c'est de leur faire raconter ce qui s'est passé, de leur dire que ce qu'ils ont fait, c'était bien vis-à-vis de leurs copains.
Évacuer ce qui s'est passé pour limiter les séquelles psychologiques, c'est aussi le travail des secouristes. D'habitude, on travaille à Saint-Martin-Zuby, on est maçon, donc c'est vrai que l'été, souvent, on part travailler en montagne, des petites missions comme ça, mais rien d'aussi dangereux. Moi, quand je suis arrivé le premier jour, je l'ai vu que c'était dangereux. J'y ai dit. Jean-Philippe me disait que c'est bon, les géologues, ils ont dit qu'ils sont payés à ça, donc c'est bon, ils ont dit que ça craignait pas, donc on peut y aller. Mais bon, moi, toute la semaine, j'étais pas tranquille, j'avais tout le temps la tête en l'air. J'étais pas serein toute la semaine. Voilà, ça fait venir la sécurité civile, ils prennent eux aussi risquent leur vie là, là-bas dessous. Là. Ça peut tomber à tout moment maintenant que c'est fragilisé. Donc c'est pas normal, c'est pas normal. Là, je suis en colère, franchement je suis en colère. On va récupérer la victime, elle sera pas conditionnée dans la civière, on la récupère comme ça. Ok, d'accord. Allez, avance encore un petit peu. Ce sera bon comme ça. Hein. Ok. C'est bon, Denis, on peut bon. Approcher. Tu peux y aller. Attention, tu peux y aller. C'est grâce aux plaisirs simples de la vie quotidienne, comme ce pique-nique en famille, que les sauveteurs du ciel, comme David, parviennent à conserver leur équilibre. Pour gérer le stress, les drames, la peur aussi parfois, une peur partagée. J'y fais confiance, je sais qu'il connaît son boulot et qu'il ne va pas prendre de risques inutiles. Et c'est sûr que des fois, il prend des risques pour aller porter secours à des gens qui eux, n'ont pas trop réfléchi. Mais bon, heureusement qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Ça arrive d'avoir peur, non ? Je pense que la peur, justement, ça permet de se fixer une limite et puis ça peut motiver aussi, quelque part. On est content et fier de faire ce job. Hein. Quelque part, je pense qu'on rend service aux gens et dans des situations qui ne sont pas forcément toujours simples pour eux, ou pour nous aussi, des fois. Mais c'est un super job. Hein. Moi, je me régale. J'ai grand plaisir à le faire et je m'épanouis vraiment là-dedans, quoi. Pompiers, petits paysans, on verra. Hein.